Bonjour à tous, c'est Senza Volto, la French Translation. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 octobre et on est au studio Jenny pour deux jours intensifs. Oui, c'est le séminaire de l'APC. Alors écoutez-moi bien, deux jours où des élèves vont prendre très très cher. Bon, on va prendre un petit peu le contexte, le coronavirus, le couvre-feu en Ile-de-France. Un petit peu difficile, mais on a quand même aujourd'hui des guerriers qui vont s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas, j'ai même pas préparé le stage, je fais genre que j'ai préparé, mais j'ai pas trop préparé. Non, je rigole. Écoutez, aujourd'hui, on va cibler deux faiblesses plutôt du catch français et même limite du catch européen. Donc déjà, ce matin, ça va être promo! Voilà, le but, c'est de mettre à l'aise un peu les élèves au milieu du ring devant un mini public et voilà, faire une mini présentation d'eux. Ou peut-être je vais leur donner un sujet, leur donner des contraintes, je sais pas, ça dépend de mon humeur, on verra. Et après, on partira sur de la condition physique. Condition physique, squat, pompe, up down, plein de trucs, ils vont transpirer. Mais c'est ça qui est bon. Et enfin, l'après-midi, écoutez, on va faire du chain wrestling. On va prendre toutes les bases qu'ils ont et on va faire quoi? On va les détruire. C'est pas Bob le bricoleur, c'est Senza le bricoleur. Oh, elle est pas mal celle-là. Bref, on va prendre les bases qu'ils ont et on va les détruire. Et on va reprendre du tout début. Et on va travailler tout. La tête, l'épaule, le bras, le poignet, la cheville. Et on va leur donner les éléments nécessaires pour devenir le futur du catch français. All our life we've been trying to be the greatest. Pushing limits so far, almost breaking. Now they're screaming our name out loud like we made it. Appreciate the love, promise nothing changes. Tears to looking from the top, but we're never gonna stop. Cause the greatest got us far, but the best is yet to come. Yeah, you ain't seen nothing. I promise to say nothing. We're gonna go high. Ok, bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire, donc deux jours intensifs, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui un nouveau séminaire, pour ceux qui ont eu l'occasion de déjà faire des séminaires avec moi, vous savez que ça va être très intensif, autant dans le technique que dans le physique, des promos aussi, ça va être pas mal. Le premier jour va être très très chargé, j'en ai parlé un peu ce matin à Brian, et il m'a dit ouais déjà ça fait beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la séance. Alors déjà aujourd'hui, vous oubliez qui vous êtes. Moi, je suis pas Senza Volto. Toi, tu t'appelles pas Alexandra, pas de Brian. Je vais vous donner des numéros que vous allez devoir retenir. Moi, aujourd'hui, ça sera coach. Donc comme je le dis aux autres stages, je m'en fous de me faire appeler coach. C'est juste qu'on garde un environnement un petit peu carré, professionnel. C'est aussi histoire de vous mettre en condition pour votre futur. J'en sais rien, si vous avez des try-outs, si vous avez des essais dans d'autres fédérations, en Allemagne, en Angleterre. Peu importe, c'est vraiment histoire de vous build-up, donc de vous construire et que vous soyez prêt et pas à la ramasse une fois que le moment fatidique arrive. On va commencer la matinée avec promo. Comme d'habitude, promo, c'est pour ça que les chaises sont dans ce sens. On va faire une présentation promo, une minute. Et je vais faire, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vais faire des groupes et donner des sujets avec des contraintes. Tout de suite dessus. Salut! Tu vas bien? C'est génial, grâce à toi, ils vont tous faire 50 squats tout à l'heure. Alors, je disais, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose très... Ah oui! Ah non, merde. C'est pas une stagiaire, ça, Fabio. Donc, du coup, l'esprit d'équipe, quelque chose de très, très important pour moi. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, donc c'est pas chacun de son côté. Vous allez rigoler ensemble, vous allez souffrir ensemble, vous allez squatter ensemble, vous allez faire des exercices ensemble. Je veux vraiment cet esprit de groupe. Par exemple, quand vous faites des squats, c'est ensemble que vous comptez. N'hésitez pas à encourager l'autre. Surtout, écoutez bien les instructions, parce que si je vous donne des instructions et que vous faites le contraire après, c'est tout le monde qui prend. Voilà, c'est esprit groupe, ça veut dire un, il fait une erreur alors qu'il a eu les instructions pour faire bien. Tout le monde prend cher, tout le monde paye. Est-ce que vous avez compris? Oui, coach. Est-ce que vous avez compris? Oui, coach. Très bien. Donc à chaque fois, ça va être comme ça. On va vraiment se mettre en mode camp militaire. C'est
une façon de parler, mais je trouve que ça nous donne un cadre professionnel parce que c'est ce dont on a besoin en France. Programme d'aujourd'hui. Alors, le matin, c'est promo. Exactement. Donc, promo. Après, une fois qu'on a fait les promos, on se change. Après qu'on s'est changé, on va faire un peu de conditions physiques. Ça va être très, très rapide aujourd'hui parce qu'on va se concentrer beaucoup cet après-midi, donc fin de matinée cet après-midi, sur le chain wrestling. Qui peut m'expliquer ce qu'est le chain wrestling? Il n'y a que deux personnes qui peuvent m'expliquer ce que... Trois, je sais pas. Je t'écoute. Plus fort, s'il te plaît. C'est les clés que tu fais en début de match, les mises en garde. Ok, mais pourquoi on appelle ça chain wrestling? Qu'est-ce que vous entendez dans chain wrestling? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Mystère derrière? Je suis pas sûr, mais c'est pas... Parce qu'on est, genre, on n'est jamais censé lâcher... Exactement, c'est une chaîne. Vous avez toujours le contrôle sur une partie du corps de l'adversaire. Donc, tête, poignet, bras, épaule, taille, genou, cheville. Est-ce que c'est compris? Oui, coach. Oh, est-ce que c'est compris? Oui, coach. Ok, donc on va travailler tout ça. Donc, on va prendre tout de A à Z. Donc vous dites, je sais que vous allez vous dire, oh putain, on va voir du headlock, on va voir tout ça. On va voir lock-up, headlock, wristlock, wristlock, on va voir knee-lock, on va voir ankle-lock, on va tout voir. En fait, si vous voulez, on va partir de la tête. Je vais vous montrer comment faire une prise de tête. Et une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer trois façons différentes de contrer. Ok? Après, on va voir l'épaule, le poignet. À chaque fois, je vais vous montrer trois façons différentes de contrer. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette journée, normalement, vous êtes capable de savoir faire du chain. Savoir faire du chain, ça veut dire quand vous préparez un match, je sais pas, vous dites bon, ok, je vais passer derrière toi et machin. C'est vraiment, on parle pas, on fait deux minutes de chain et vous faites que du chain, vous n'avez pas besoin de parler et ça s'enchaîne. Ok? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec le chain. J'étais une personne qui n'était pas à l'aise avec le chain. Mais si on vous montre correctement les façons de le faire, les transitions et tout ça, il n'y a aucun souci, vous allez vous en sortir largement. Ok? Oui, coach. Ok? Oui, coach. Ok, très bien. Je vais vous donner des numéros, c'est à vous de les retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Promo. Donc, qui a déjà fait des promos ici? Oui, bien sûr, t'en as fait une la dernière fois, elle était très bien même. Ok, tous ceux qui n'ont pas fait de promo, levez-vous, s'il vous plaît. Ok, alors, pour vous, on va être très simple. Je vais faire vous allez faire une promo de vous de une minute. La promo, je n'ai pas besoin que vous me parliez de ce que vous avez fait, je ne sais pas quand, dans 10 ans, ce que vous voulez faire, c'est quoi votre but. Faites juste un truc simple. Présentez-vous, comment vous vous appelez, vous venez d'où, votre âge, vous avez mis combien de temps pour venir ce matin parce que vous venez de telle ville. Je veux juste une simple présentation de vous. Je veux juste en fait que vous vous mettiez à l'aise au milieu de ce ring devant tout le monde. C'est juste ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir du temps, une minute. Donc en gros, tac, 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 on va dire 15 secondes avant une minute, je vous ferai un signe. C'est en gros, ok, il vous reste 15 secondes, donc vous êtes sur la fin. Donnez une chute à votre promo. Ok? Ouais, on est obligé de se présenter. Enfin, on peut pas faire sur une base de personnage, un truc comme ça. Si t'es à l'aise avec un personnage, tu peux le faire. En fait, à la base, pour les personnes qui n'ont jamais fait les promos, c'est vraiment déjà le fait de venir au milieu du ring, sous le spotlight, et de parler devant tout le monde. Déjà, ça, c'est quelque chose de très, très dur pour certaines personnes. Donc, restez sur ce marqueur. Vous pouvez toujours bouger les mains et tout ça, mais essayez de pas trop... Non, et n'allez pas autour de ce marqueur, quoi. Vraiment, restez ici, ok? Pareil, quand vous rentrez sur le ring, comment vous rentrez sur le ring? Les pieds devant, s'il vous plaît. Ok, très important, on ne sait jamais ce qu'il y a sur le ring, c'est pour ça qu'il faut s'essuyer sur le ring. Les pieds avant. Présentez son numéro quand vous commencez. Numéro plus nom plus prénom. Ok, comme ça, moi, ça me permet de noter ça sur mon téléphone. Salut Dorian, ça va? C'est bien, tu vas faire des squats aussi, toi. Donc, tous ceux qui ont des promos, une minute, je vous laisse, tac, 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 allez, 5 minutes, 5-10 minutes pour faire votre promo. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller là, c'est vous qui voyez. Ok? Oust.